Jésus se promène un jour devant un hôtel 5 étoiles, comme on en voit à Gharda, Sharm el Sheikh, Marina, Montaza ou ailleurs. Vous connaissez ces hôtels. Et il s'arrête devant la porte. Et il voit les prix, $150 la nuit, les repas 500 livres le déjeuner, etc. Et tout près de l'hôtel 5 étoiles, il voit un bidonville, Ashwaïyet, comme nous disons en arabe. Des maisons entassées les unes sur les autres, des ruelles pleines d'ordures, de l'eau qui coule, des odeurs nauséabondes. Et il revient. Il regarde de nouveau du côté de l'hôtel 5 étoiles. Piscine, pelouse, jacuzzi, des tables dressées dehors. Et des gens installés devant un barbecue délicieux, mais n'avaient pas faim. Ils mangeaient à peine, ils laissaient un peu tout dans les assiettes. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Et les enfants du bidonville sont là à sentir l'odeur du barbecue, le ventre creux. Ils n'ont pas dîné le soir, ils n'ont pas mangé le matin. Et ils voient ces enfants regarder les restes des tables, c'est-à-dire ce qui aurait fait leur bonheur pendant 2 jours, jeté à la poubelle. Les enfants auxquels personne ne prête attention prennent une balle de chiffon, vous connaissez ces balles de chiffon, et ils commencent à jouer sur la pelouse devant l'hôtel. Jouer au foot pour tromper leur faim. Mais à ce moment-là, deux valets de l'hôtel en livrée de bleu, d'or, de rouge, se précipitent sur eux. Para, dehors, qu'est-ce que vous faites ici? Ici, c'est l'hôtel. Ici, c'est pour les riches. Même pas la pelouse pour jouer. Jésus s'approche d'un enfant. Il lui dit, comment tu t'appelles? Samir. Bon. Où est-ce que tu habites? Ici. Ici où? Ici, dans une maison ou à la terrasse. Nous avons une chambre. Maman, ben, elle est à la maison. J'ai 4 frères et sœurs. Papa, il est manœuvre. Combien il touche? 600 livres par mois. Et combien de chambres? Oh, une chambre. Nous avons une chambre. Une chambre sur la terrasse. On est tous là-dedans. Et toilette, douche? Non, non. On fait ça comme ça dehors. Belle cause, comme on dit. Et Jésus est là. Regardant d'un côté l'hôtel 5 étoiles, ses riches au ventre ballonné, rassasiés,
repus comme des vaches sous leur pré, dans leur pré. Et cet enfant qui a rejoint ses camarades, puisqu'il ne peut pas jouer sur les pelouses, il va jouer dans ses rues, de la Venelle, dans une de Venelle de ce bidonville. Vous venez d'entendre la parabole de Lazare et du mauvais riche. On pense que Jésus parle de temps révolu, autrefois, c'est maintenant, maintenant ici en Égypte, en Floride, sur la côte d'Azur, etc. J'ai traduit ça à cette parabole que je viens de vous raconter, elle est dans mon livre Jésus en Blue Jeans, où j'ai essayé justement de mettre Jésus dans des situations contemporaines pour traduire les paraboles dans un langage actuel. C'est aujourd'hui que ça se passe. On me demande parfois, est-ce que l'enfer existe? J'étais à Toronto il y a quelques jours, à parler dans les écoles francophones à des enfants de 12 à 16 ans. J'ai passé de classe en classe et on leur a demandé, posez par écrit vos questions au père Boulade, il va essayer d'y répondre. Une des questions qui revenait souvent était, l'enfer existe-t-il? Y a-t-il un enfer? C'est quoi l'enfer? C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est l'être humain qui s'est créé une carapace autour de lui, qui vit pour lui, qui a vécu pour lui, qui vivra pour lui, qui mourra et qui crèvera seul avec son ego, sa richesse, son palais et son luxe. Quelqu'un qui meurt enfermé dans sa coque de béton, si je puis dire, il est en enfer, il n'ira pas en enfer, il est déjà en enfer. On s'imagine quelquefois que à la fin de notre vie, ou à la fin de l'histoire, Jésus va envoyer les uns au ciel et les autres en enfer. Mais ce n'est pas Jésus qui envoie les uns au ciel et les autres en enfer. C'est nous qui créons notre ciel et c'est nous qui créons notre enfer. L'enfer n'est pas l'œuvre de Dieu et le ciel n'est pas l'œuvre de Dieu non plus. Dieu nous a créés libres. Et cette liberté, on peut l'utiliser pour s'ouvrir à l'amour, et c'est le ciel. On peut l'utiliser pour se fermer à l'amour, et c'est l'enfer. Il n'y a qu'une seule réalité, mes chers amis, une seule dans le monde et dans l'autre monde, c'est l'amour. L'amour c'est tout, l'amour envahit le monde. Mais si tu es plongé dans l'amour et que tu es fermé à l'amour, eh bien tu es en enfer. C'est comme ça, c'est simple comme tout. C'est comme une huître dans l'océan. Une huître dans l'océan. Elle est entourée d'eau, mais elle est fermée. Elle est close sur elle-même. L'amour nous entoure, l'amour nous sollicite, l'amour nous pousse, l'amour nous invite. Et nous disons, moi. L'enfer, c'est ce moi qui s'est enfermé en lui pour toujours, qui a refusé d'aimer.
qui a oublié simplement qu'il y avait un pauvre Lazare sous sa table qui voulait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais on ne lui en donnait pas. Ou bien ces riches, dans leur hôtel 5 étoiles, dans leur palais ou leur résidence luxueuse, qui ne regardent pas de l'autre côté du mur. Dans cette parabole, il y a un mur de béton entre l'hôtel et le bidonville. Ce mur de béton, c'est cet espace qui sépare le ciel de l'enfer. Et ce mur de béton, c'est nous qui le construisons autour de notre cœur en refusant d'aimer. De franchir le mur, de sortir de notre confort, de notre hôtel et de nos petites relations bien tranquilles. Je connais ces hôtels, je connais ces riches, je les connais, ils m'invitent souvent. Je sais ce que coûte un repas dans un grand hôtel ou dans un grand restaurant. 500 livres, le salaire d'un de nos petits employés de Caritas d'un mois pour une femme qui a 3 enfants. Je peux mettre des noms là-dessous. Un repas, le steak au Marriott, 250 livres. Avec tout le repas, 500. 500, c'est le salaire d'un mois. Et beaucoup mangent un petit morceau de steak et le reste passe. Ils arrivent rassasiés, repus, n'ont pas faim. Trop manger. Pourquoi nous avons le mouvement Mège ici à Alexandrie, au Caire, dans toute l'Égypte et partout dans le monde, le Mège? Un des mouvements, comme le scoutisme aussi, comme d'autres. C'est pour initier l'enfant dès l'âge de 8 ans à donner, à se donner, à s'ouvrir, à aimer. Nous l'avons chanté au début de cette messe. Aimer vraiment de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme. Voilà le trésor, voilà le bonheur, voilà l'essentiel dans la vie. Aimer. Oui, ces enfants de nos écoles et de nos églises, très tôt on leur apprend à aimer, à donner, à se donner, à s'ouvrir, à préparer ses missions. De temps en temps, dans cette église, je vous dis, il y a 2 jeunes qui vont se trouver à la porte parce qu'ils préparent une mission à Esbet Abdel Eder ou dans tel autre village autour d'Alexandrie. Et vous êtes généreux, je sais. Ils partent en me disant, l'aide malienne, la boîte est pleine, ils sont contents, ils vont acheter quoi, je ne sais pas. Et ils vont donner, ils vont t'aimer. Ça, c'est le bonheur, ça, c'est le ciel, mes chers amis. Si vous aimez vos enfants, inscrivez-les au Mège, au scoutisme, au cœur vaillant, que sais-je. Très tôt, il faut apprendre à l'enfant à aimer, à se donner, à se donner. Alors, l'enfer existe-t-il? Il doit exister si l'homme est libre. Il doit exister si l'homme est libre. Libre de s'ouvrir ou de se fermer. Libre d'aimer et de se recroqueviller dans sa coque. C'est tragique la liberté, tragique. Dieu lui-même ne peut pas percer cette coque dans laquelle s'enferme l'homme. Dieu lui-même ne peut pas forcer un être à aimer, à s'ouvrir. Il est impuissant. C'est tragique la liberté. Alors si nous avons quelque chose à apprendre et à enseigner à nos enfants, c'est comment aimer. Comment aimer. Comment former l'enfant très tôt à donner, à partager, à aller chez l'épicier acheter quelque chose, à faire la vaisselle, mettre la table.
à donner de ses jouets à son petit frère, à sa petite sœur, de prêter son cahier, son livre, son crayon, que sais-je. Très tôt, on apprend un enfant à aimer. Et nous-mêmes, en grandissant, ne passez pas un jour sans aimer. Vous allez me dire, mais on ne fait que ça. Oui, non, j'en sais rien, je ne suis pas dans votre cœur pour juger. Mais ça grandit. Moi, je me rends compte dans ma propre vie, comment chaque jour, je découvre de nouveaux chemins d'aimer. Comment je m'aperçois que hier, j'étais dur, j'étais sec. J'ai aimé telle jolie fille et je rejetais telle personne qui n'était pas très agréable. Oui, aimer, c'est franchir la barrière. Aimer, c'est franchir le mur de béton. Aimer, c'est donner, tout donner, se donner, s'ouvrir. Aimer vraiment de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme. Voilà le trésor. Voilà le bonheur. Voilà l'essentiel dans la vie. Amen. Thank you.